Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du 7 octobre 2020, à savoir la 2.52.1. Et il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, les derniers patchs, c'est rarement des petits patchs. Il y a souvent des choses à dire. Alors on va commencer par des trucs, on va dire, anecdotiques. Avec la suppression de Viking et Léoric en Aram. Et je vous avoue que je suis très déçu. Parce que c'est comme ça que je montais mes Vikings perdus. J'avais la flemme de les jouer en QM. Donc je suis triste. Mais c'est compréhensible. Parce que c'est vrai que ça pouvait être des picks un petit peu difficiles à jouer. Après, honnêtement, moi, Viking, ça m'intéressait de le jouer en... pour s'entraîner sur Viking. C'est vrai que c'est pas mal la RAM. Par contre, pour Léoric, combien de fois on est tombé sur des Léoric qui mouraient 17 000 fois pour abuser de la vitesse de respawn plutôt que d'équilibrer pour la map. Ils ont préféré supprimer les deux persos, ce que je comprends tout à fait. La carte, alors ça, c'est des choses aussi intéressantes. Les dégâts infligés par les tours, forts et bastions héros adverses sont augmentés de 10%. Nous avons laissé passer un peu de temps depuis les modifications apportées aux tours, et si nous sommes satisfaits de leur mécanisme de ciblage actuel, alors ça, j'aime pas qu'ils soient contents du... J'aime vraiment pas qu'ils soient contents du ciblage actuel, mais bon, ça c'est autre chose. Pensons avoir un peu trop réduit leurs dégâts. Ce qui est vrai, hein, ça faisait moins mal que les anciennes tours, donc ils avaient tellement nerf qu'ils avaient réduit les dégâts par rapport aux anciennes tours. Donc je crois que si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais il me semble que maintenant, avec tous les changements qu'ils ont fait, on revient quasiment aux valeurs de base, c'est-à-dire les valeurs pré-slow. Parce qu'elle faisait même moins mal, donc il me semble qu'on est à peu près à cette hauteur-là. Et si nous sommes satisfaits de leur mécanisme de simulation, nous leur redonnons donc un peu de mordant. Enfin que les héros qui foncent sur les tours aient moins le loisir de s'attarder dans la base adverse avant de devoir battre en retraite. À l'heure actuelle, le dive est beaucoup trop facile. Ce qui est dommage quand même pour un système qui était là pour réduire la possibilité de dive. Fontaine de soins, les valeurs et les points de vie du bouclier ont été inversés. Bouclier constitue désormais 75% des points de vie totaux. Taux de régénération du bouclier porté à 10% du maximum par seconde. Ce qui est plutôt pas mal. Ce changement, il a l'air anecdotique, mais en fait il est vraiment bien parce que c'est vrai qu'on s'est tous tapé, que ce soit en quick match, bon le pire étant en quick match, mais en ranked également, combien de fois on s'est tapé une vieille saloperie d'Hammer ou de Sylvanas ou de Genji à la con qui va te backdoor les fontaines en permanence, insupportable. Donc ça a été un retour qui a été fait par de nombreux joueurs, tout est lot confondu, et c'est une très bonne chose qu'ils enlèvent la possibilité. Enfin, ils enlèvent pas la possibilité de détruire les fontaines, ils les rendent plus difficiles. Pour justement pas enlever la stratégie, parce qu'ils aiment bien aussi le fait qu'on ait plusieurs manières d'appréhender le jeu, de voir les choses possibles. Mais il est vrai que c'est trop facile de tomber des fontaines à l'heure actuelle. Beaucoup de changements comme vous le voyez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 changements, ça fait beaucoup de persos. Alors du coup, Anubarak qui voit ses points de vie augmenter de 2% à peu près, 2100 à 2150, récupération des points de vie augmentée de 4,38 à 4,48, et ensuite il y a des petits changements sur des talents 13, 16, alors... Les talents du niveau 13 ont été réorganisés afin de correspondre aux conventions d'agencement habituelles. Donc en gros, le sort A va être en premier, ensuite Z, E, etc. Passif, dégâts infligés par les scarabées réduits de 7 à 6 points. Vous savez, c'est la rage ardente d'Anubarak qui est moins forte qu'une rage ardente de base sur les valeurs de base. Mais le dernier ajout avait été de faire en sorte que les scarabées augmentent la puissance de la rage ardente. Alors il y a un problème là-dedans. Bon, on pourrait dire, attendez, mais il nerf ce talent alors qu'il est pas terrible, pourquoi il nerf ce talent? Ça, c'est vraiment du nerf tout est low, et j'ai envie de dire que c'est pas un nerf pour les bons joueurs d'Anubarak. C'est plus un nerf d'abus d'Anubarak à bas, moyen et low, où les joueurs jouent Bill Scarabée avec Nuit de Sauterelle au lieu de jouer Cocon, et quand ils font spawn des milliards de Scarabées, eh bien, potentiellement, les dégâts de Rage Ardente peuvent être assez forts si vous n'avez pas de quoi tomber les Scarabées. Donc, à mon avis, c'est ça qui a été changé, et surtout aussi, c'est changé par rapport au sacré scarabée. On va y venir juste après. Fonctionnement modifié augmente de 30% les points de vie des scarabées. Ok, hein, ça augmente les points de vie des scarabées. Toutes les 4 attaques de base, un scarabée apparaît. Ça c'est intéressant parce qu'avant c'était toutes les 3 auto-attaques sur un même héros, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant c'est toutes les 4 attaques de base, un scarabée apparaît. Ça c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Et l'augmentation, bon ça c'était déjà, je sais plus si c'était 30% avant, mais en tout cas, en soi, le talent est toujours faible, mais c'est pas bête, c'est pas bête, l'idée est pas bête. Moi personnellement je pense qu'il devrait peut-être faire un truc sur les sorts. Par exemple si tu touches ton E et ton A, ça crée un scarabée supplémentaire plutôt que sur les auto-attaques. Mais bon, c'est comme ça. Niveau 16, l'apathie, fonctionnement modifié. La puissance de capacité des héros adverses touchés par la charge enfouie ou empalée est réduite de 50% pendant 4 secondes. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien avant ça ne fonctionnait que sur le E. Maintenant ça passe également sur le A. Et ça,
Ça, par exemple, c'est un très très bon changement pour Anubarak. Hein. Là, vraiment, l'apathie devient vraiment viable. Parce qu'avant, c'était que sur le E, donc ça a incité aussi à go-in pour potentiellement affaiblir. Maintenant, le Q réduit la puissance de capacité. Donc vraiment, l'apathie prend un super changement. Et ça y est, ça fait des années qu'ils essayent de l'améliorer, ce talent. Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment le truc qui va suffire, mais c'est excellemment bien pensé. L'idéal, peut-être même, ce serait de dire que quand tu claques ton Z... Ouais non, ça serait un peu trop compliqué. Avec le build Z, ça serait beaucoup trop fort. Mais peut-être aussi le mettre sur le Z d'une certaine manière, peut-être en version réduite, genre un 20% de réduction de capacité si quelqu'un est autour de lui, autour du Z, sachant que l'AOE est déjà calculée puisque c'est l'explosion du 13, ça pourrait être intéressant. Shogal, niveau 7, régénération enragée, durée de la réduction des soins diminuée de 4 à 2 secondes. Alors, à travers la régénération enragée et son malus aux soins, Shaw sème le chaos et devient quasiment un boss de raid. Si nous sommes attachés à cet aspect, nous estimons que la durée du malus est excessive, vu la fréquence à laquelle il peut être appliqué aux ennemis, surtout en fin de partie, grâce aux synergies et des talents comme Nova du Crépuscule, blablabla. On y viendra, Shogal, à l'heure actuelle, c'est complètement débile. Ils ont fait des changements sur Shogal qui sont vraiment stupides, et du coup, eh bien, son winrate a explosé. Donc ils vont devoir le nerf. Personnellement, en plus, je trouve que c'est pas... Enfin bon, on y reviendra avec Gal, avec le changement sur Gal. Donc pour Shaw, pas grand chose, le talent 7 sur la régène, c'est pas forcément tout le temps celui de toute façon. Enfin, il était bien, hein, mais il l'avait bien up, mais bon, voilà, ils le réduisent. Diablo! Changement très intéressant sur Diablo avec les flammes éternelles, donc la fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge de choc infernal de 1 seconde. Récupération de mana lorsque des héros sont étourdis par charge d'ombre ou correction augmentée de 35 à 45 points. Donc ça coûte moins de mana pour Diablo, ce qui fait que ça lui permettra de beaucoup plus spam le Z. Pour dire, 1 seconde sur le Z c'est faible. En fait ce qui est génial, c'est que 1 seconde de nerf sur le Z, ça sous-entend aussi, enfin c'est un CD qui est le plus court sur Diablo, donc ça permet de vraiment plus souvent spam et sans pour autant avoir plus de consommation en mana puisque ton A et ton E, donc tes combos, coûtent moins cher. Donc ça c'est vraiment une bonne idée, mais surtout pourquoi c'est une bonne idée? Parce qu'à l'heure actuelle si vous jouiez Flamme Éternelle, vous étiez, je dirais, pas débile mais c'était pas très malin. C'était pas très malin, pourquoi? Parce qu'en fait l'élan diabolique, eh bien fonctionnait sur le Z. Donc pourquoi s'emmerder à devoir faire A, Z, E, Z, etc. Quand vous preniez l'élan diabolique, vous faisiez votre combo normal, A-E, vous aviez peut-être lancé un Z avant, A-E, vous faisiez des auto-attaques, pouf, vous avez de nouveau votre Z. Donc pourquoi s'emmerder à potentiellement rater votre combo, alors qu'avec l'élan diabolique, vous aviez plus de Z. Donc Flamme Éternelle était devenu un talent mauvais en fait à mes yeux. Maintenant qu'il y a l'élan diabolique qui ne fonctionne plus sur le Z et seulement sur le A et le E, c'est déjà un bon nerf sur l'élan diabolique qui était devenu très très fort, avec les valeurs qu'ils avaient augmentées. Mais surtout, les flammes éternelles redeviennent un peu viables. Après, moi personnellement, par le fonctionnement du sort, je suis pas très fan. Mais pour le coup, bah, c'est une bonne idée. Je comprends pourquoi ils font ça. Niveau 13, feu de l'enfer, bonus à la puissance de cap. Mais bon, alors juste pour revenir au 7, à mon sens, la malveillance, hein, l'auto-attaque améliorée en magie et l'élan diabolique me semble toujours supérieur. Niveau 13, feu de l'enfer, bonus à la puissance de capacité augmentée de 2 à 3% par charge. Maximum de charge pour le bonus de dégâts par seconde infligé aux ennemis proches réduit de 15 à 10 points. Donc feu de l'enfer, en gros, ça vous permet de plus facilement faire proc le Z. Donc ça c'est important, puisque le maximum de charge a été réduit, donc de 15 à 10. Et en plus de ça, le bonus et la puissance de capacité est augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que votre Z fait plus mal, votre A fait plus mal, votre E fait plus mal, votre ultime fait plus mal. Mais aussi, la rage ardente qui proc pour pouvoir appliquer, vous savez, une fois que vous avez touché suffisamment avec le Z, il y a une espèce de mini rage ardente qui proc. Donc en gros, ça augmente aussi les dégâts de votre propre rage ardente. Donc le up sur le feu de l'enfer est vraiment fort. Honnêtement, ça devient vraiment concurrentiel pour la charge dévastatrice. Franchement, deux très très bons talents au 13. Hein. Pas la vitesse d'attaque par contre. Dernièrement, Diablo a retrouvé sa popularité. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ses talents et nous tenions à corriger un défaut de conception qui rendait la diabolique trop puissante. Bon voilà, bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. À cause de sa synergie avec tous ses autres styles de jeu potentiels. Avant de réduire la puissance de ce talent, blablabla. Donnons un coup de pouce à Flamme Éternelle pour le rendre attractif auprès des joueurs souhaitant articuler leur configuration autour de Choc Infernal. Après, faut pas oublier que vous pouvez faire des hybridations. Hein. Diablo, c'est énormément d'hybridations aussi potentielles. ETC. Alors ETC, encore un changement. Faut que j'écrive mon retour sur ETC parce que je suis vraiment pas content de ce qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Du coup, ils nerfent le bonus d'armure. ETC à l'heure actuelle est un tank très 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 utilisé. Il nerf le bonus d'armure de 20 à 20. Alors avant c'était 20, il l'avait up à 25, il le repasse à 20. On verra ce que ça va donner. Bon, c'est un nerf, hein, pourquoi pas. Niveau 13, le rappel, donc vous savez, c'est le double Z qui réduit les temps de recharge des ultimes. C'était pour faire en sorte que ce talent soit joué par les joueurs de TC alors que c'est juste de la merde d'un point de vue de conception. Vous pouvez lui mettre des ups de taré, c'est toujours de la merde en niveau conception. Donc réduction du temps de recharge diminué de 6 à 5% sur les ultimes. Bon voilà.
C'est demeuré extrêmement populaire en tant que guerrier de première ligne, donc en tant que tank, nous diminuons sa capacité de survie globale en réduisant l'armure conférée par Star Duroc, qui soit plus pénalisé lorsqu'il rate son étourdissement ou s'avance trop lors des combats d'équipe. Deathwing, alors ça j'ai pas compris, mais alors ça c'est le point faible du patch je trouve. Deathwing, qui a pris énormément de coups sur la gueule, hein, soyons honnêtes. Incinération, coût en énergie augmenté de 15 à 20 points, donc le Z qui coûte plus cher en mana quand il est en forme de dévastateur, enfin de destructeur, pardon. Dégâts réduits de 70 à 65 points, donc on nerf, on augmente le coût en énergie, mais en plus on, enfin, c'est un double nerf assez dur. Explosion de lave, coût en énergie réduit de 20 à 15 points, dégâts périodiques augmentés de 5 à 6 points. Donc en gros, on veut faire en sorte que la forme brise-monde soit un peu up. Mais en fait, il n'y a pas besoin de nerf la forme de destructeur pour up la forme de brise-monde. Niveau 4, Infernus, enfin Infernus, fonctionnement modifié, augmente de 25% les dégâts de la flamme de la fournaise contre les héros ennemis. Donc de base, ça augmente de 25% les dégâts du Q-spell. Ce bonus est porté à 75% lorsque vous utilisez flamme de la fournaise en disposant de 75% ou plus de votre énergie. Je trouve que c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que ça a incité les Deathwing à faire attention à leur jauge d'énergie pour pouvoir canaliser le Q-spell. Donc oui, des fois vous n'aviez pas de bonus. Ça arrive, vous n'aviez pas de bonus. Mais en fait, le problème c'est que là, même si vous utilisez votre énergie n'importe comment, vous aurez un bonus. Donc c'est vraiment pas terrible. Surtout qu'en plus, je trouve, pour avoir un peu fait de la QM contre des Deathwing et jouant avec des potes parfois à un elo un peu plus faible, je vois qu'il y a énormément de Deathwing qui jouent sur le build Q-spell, qui jouent sur le A, et ils abusent un petit peu des flammes justement pour essayer d'infliger des dégâts à ceux qui auraient tendance à sortir trop tard de la zone. Donc faire en sorte d'augmenter ça, sachant que je pense que le winrate n'est pas dégueulasse, ça me paraît bizarre. Parce qu'en vrai, le build de Q-spell de Deathwing à haut niveau, il est mal vu, hein. Il est très mal vu. C'est pas mauvais, hein. Moi je pense pas que ce soit mauvais non plus. Je pense que le build A, c'est le deuxième build de Deathwing. À savoir, si vous avez bien draft Deathwing, le build destructeur est toujours le meilleur. Par contre, le build Q-spell, c'est plutôt si vous avez beaucoup de counter et du coup vous devez avoir une allure un peu plus distante. Mais le truc, c'est que du coup, le up, l'Infernus, ça me semble dur. Hein. Niveau 7, tempête de feu, dégâts des météores augmentés de 65 à 70 points. Ouais, le problème, c'est toujours le côté random du spawn des météores qui ne permet pas la réduction du temps de recharge. Enfin, c'est un peu relou. Et là, en gros, alors là, c'est le commentaire des développeurs qui est très important. Celui-là, je l'avais lu. Actuellement, surtout à un niveau de jeu, de nombreux joueurs préfèrent la forme de destructeur à celle de brise-monde. Transférant une partie de la puissance de destructeur à brise-monde afin d'encourager les joueurs à changer davantage de forme selon situation. Et ça pour moi c'est un très 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 mauvais point. Je veux dire, les mecs sont conscients qu'à haut niveau, bah en fait la forme de destructeur elle est meilleure que la forme de brise-monde. Spoiler, je l'ai toujours dit et c'est pas pour rien, c'est que la forme de brise-monde c'est de la merde. C'est trop long à faire spawn etc. Et tu sers à rien pour ton équipe quasiment. Du coup ils veulent que les joueurs à haut niveau se forcent à jouer une posture qui est nulle, qui est pas très intéressante en fait. Qui est pas intéressante à jouer et... Qui est juste moins efficace en fait. Parce que la forme de destructeur, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre justement des dégâts constants sur les auto-attaques et autres qui occupent moins, on va dire, le temps de camion des lancements de sorts de Deathwing. Donc pourquoi ils veulent casser ça en fait? Ça je ne comprends pas. Je pense que. Enfin, je suis fondamentalement opposé à ça quoi. C'est complètement débile. C'est complètement débile. D.Va, alors D.Va qui mérite son nerf, hein, que l'on soit honnête. D.Va mérite son nerf, hein, elle est extrêmement utilisée. À l'heure actuelle, elle est ban ou pique, hein, à Oelo, c'est monstrueux. Dégâts de l'arme du mecha réduit de 23 à 22, ça évite aussi, ça nerf aussi les dégâts critiques du coup de D.Va. Je suis assez content par contre, d'ailleurs, désolé, c'est le moment un peu laurier, auto-laurier, mais je suis assez content. Mes pronostics ont été bons, nerf D.Va, up Gazle, donc je suis assez content là-dessus. Donc niveau 4, fonceuse, bonus aux dégâts contre les cibles non héroïques réduit de 100 à 75%. J'en ai parlé sur le cast du Chili Mountains, c'est complètement débile, hein. La fonceuse c'est complètement débile. Quand vous comparez souvent, si vous voulez voir un petit peu si c'est un talent est vraiment fort etc, comparez les valeurs avec des persos du même rôle. Alors parfois pas que le même rôle, mais le même rôle par exemple c'est plus fiable avec leur palier de talent. Un Léoric par exemple, c'est vrai qu'au niveau 4 il a un talent qui augmente 200% les dégâts du Q-spell. Le truc, c'est que ça ne lui permet pas d'avoir plus de soins, qui est un talent niveau 1 plus talent niveau 4, et quasiment un talent niveau 13 aussi. Donc, du lifesteal, enfin comme ça, sur le Q-spell, qui fait des dégâts en pourcentage PV, 4% du maximum de PV, et qui te le reconvertit en soins, plus 100% de PVE, ah, en solo lane, en fait, t'as que ça à jouer hein, sur D.Va, c'est beaucoup trop fort.
Donc le nerf est compréhensible. Mais ça reste toujours très fort, ça reste toujours le meilleur talent, hein, bien entendu, mais c'est juste qu'il prend un nerf mérité. Matrice offensive, réduction du temps de recharge portée de 0,125 à 0,1875 en gros. Donc un petit up sur la réduction de temps de recharge du Z, c'est un bon point. Je pense vraiment que la matrice est très très forte, surtout en main tank, mais mon main tank diva c'est pas facile. En solo, bah, la fonceuse c'est trop important, donc la matrice c'est surtout ça la difficulté, je dirais, c'est que c'est un très bon talent, mais à l'heure actuelle qui est dans l'ombre de fonceuse. Niveau 10, saut de lapin, le temps de recharge qui est réduit de 80 à 70 secondes, c'est une bonne chose. Le problème du saut de lapin aussi, c'est que je préfère l'ancienne version. En fait, je pense que l'ancienne version méritait juste une réduction de CD. Tu mettais l'ancien Bunny Hop à 80, 70 secondes de temps de recharge, c'est très bien. Ils ont voulu rework l'ultime parce qu'il était peu joué, mais en fait, le problème n'était pas la mécanique du saut de lapin, du Bunny Hop. Le problème, c'était plus le temps de recharge, qui était beaucoup trop long. 100 secondes de CD, c'était n'importe quoi. Parce que personnellement, à l'heure actuelle, il faut, pour pouvoir enfin avoir de l'efficacité, avoir touché 3 fois un mec et tout... Ok, t'as un micro stun, mais moi je préfère le slow, hein. Personnellement je préfère le slow. Donc, dur à dire, 70 secondes c'est déjà un bon up, hein. C'est bien, qu'on soit honnête. Je pense quand même que les micro-missiles restent meilleurs malgré le nerf, on passe de 44 à 40 points, ce qui est un bon nerf quand même. Mais à mon avis ça ne suffira pas, le micro-missile c'est trop utile, que ce soit pour le dépush, que ce soit pour l'engage à longue distance, pour finir des kills. Enfin, à l'heure actuelle, vous balancez des micro-missiles sur un Hanzo, vous lui mettez quasiment... enfin, avant, hein, vous lui mettiez quasiment mid-life. Maintenant, bon, vous lui mettez un tir PV, c'est déjà très bien. Hein. Niveau 13, la cible verrouillée, le Z, la réduction d'armure et de vitesse de déplacement s'applique désormais au bout de 1,25 secondes au lieu de 1,5 secondes. Je suis assez... J'avais même oublié qu'il fallait un temps d'activation pour vous dire. Mais ouais, c'est bien 1,25, donc faut attendre un petit peu avant que le... bonus s'active. Je comprends du coup, il y avait des moments où je me disais mais attends, le mec est pas slow, mais maintenant je comprends du coup. Mais c'est bien, c'est pas mal. Peut-être même qu'il faudra le descendre à une seconde, mais c'est un excellent talent. Pour moi c'est celui qui est vraiment le talent 13 en concurrence avec la forme pilote de Diva qui lui permet de s'escape plus facilement et autres. Donc c'est un très bon talent, personnellement j'aime beaucoup ce talent. Diva fait des merveilles depuis sa refonte et si ses performances restent raisonnables, il se trouve néanmoins dans le haut du panier et aurait besoin d'être un peu rappelé à l'ordre. Donc voilà, un petit nerf hein, par rapport au fait qu'elle est un peu trop forte. Alors Bourgazle, alors là, Gazleux, ils ont mis un up, mais insane. Point de vie augmenté. Alors, je vous rappelle que je mettrai une vidéo là de Dignitash où on a joué deux games autour de Gazleux en Division 1 qui se sont super bien passés. Mais surtout, on vous montre un peu l'utilité du nouveau Gazleux, l'efficacité du nouveau Gazleux en team à un bon niveau, on va dire. Point de vie augmenté de 2275 à 2375, donc on up les PV de Gazleux. Récupération des points de vie augmenté. Tourelle sulfate, dégâts augmentés. Après, ça avait été extrêmement nerf, hein, les dégâts des tourelles, donc c'est compréhensible qu'il le up. Trucido laser, si vous avez regardé mon guide Gazleux, que je vous encourage à regarder, hein, ça ne changera pas le guide. Hein, c'est ce que j'avais dit en plus dans le guide. Ils vont probablement up les dégâts de compétences, un de ces quatre. Ils viennent de le faire. Je m'attendais même pas à ce qu'il up tout. Dégâts augmentés 36 à 40 points, dégâts augmentés de 174 à 184 sur le Z, donc ça augmente aussi la sustain hein, puisque c'est en pourcentage de dégâts. Charge d'explosium portée augmentée, donc c'est quasiment le talent niveau 1 d'incorporer de base sur le E, et ça c'est une très bonne chose parce que c'était un peu chiant. Niveau 1, botte fusée, bonus de dégâts augmenté de 20 à 35% sur le E, c'est monstrueux, de base ils augmentent la portée. Ils augmentent les dégâts du coup si vous prenez le build E, et c'est pas qu'un peu, hein, 20 à 35%. Démolisseur certifié, bonus de dégâts augmenté de 45 à 60 sur l'auto-attaque après l'utilisation d'une compétence. Les spells sont insane. Niveau 4, trancheuse dimensionnelle, le temps de recharge réduit de 40 à 30 secondes. Bon, celui-là c'était peut-être celui que je voyais le moins, donc je comprends qu'il le up. Bonus d'armure augmenté de 35 à 40 points, c'est quand même assez violent. Niveau 7, la surcharge, réduction du temps de recharge augmenté de 0,5 à 0,75. Donc si vous touchez. Un ennemi, vous avez plus vite le Z. C'est également celui qui offre deux charges de Z, il me semble, en plus de ça. Donc très très bon talent, hein, bien entendu, qui prend up encore un meilleur. Maître artificiel E, durée du ralentissement augmentée. Donc ça, c'est le slow qui méritait un petit up, je pense. Même s'il est bien, ça mérite un petit up. Durée du ralentissement augmentée, donc à 3 secondes. Et tourelle sulfate prolonge désormais la durée du ralentissement de 0,5 au lieu de 0,25. Donc c'est un double up, hein. On aurait pu dire que juste ça suffisait. Mais les tourelles qui prolongent la durée, c'est vraiment pas mal non plus. Robot Gobelin, les dégâts par seconde augmentés. C'est ok. Moi je m'attendais limite à ce qui nerf ça. Affiche désormais un effet visuel, le coup critique lorsque vous atteignez 3 cumuls de dégâts. Donc ça c'est une bonne chose pour le visuel.
Toujours intéressant, c'est bien de faire ça. Gravito bombe, dégâts augmentés de 220 à 235. Je rappelle que la gravito augmente également les dégâts de compétences. Hein. Enfin, genre le build E de Gazleux, il prend un up, c'est... Lancer de bombe, fonctionnalité supplémentaire ajoute une charge à charge d'explosium soumise à un délai de 3 secondes entre chaque utilisation. C'est bien, parce que ça veut dire que maintenant on a vraiment deux véritables charges de E. Mais 3 secondes entre chaque utilisation, bah, ça fait que tu peux pas faire de combo véritable en mode RE, ZZ, entre les deux E, un truc comme ça. Non, c'est trop long. Donc je pense qu'ils devront le nerf, parce que à l'heure actuelle ça ne se joue pas. Hein. Si vous jouez le build Gravito sur le E, vous jouez Gravito over en fait. Donc Gazleux n'est pas aussi performant que prévu depuis sa refonte. Nous revenons donc sur de nombreux affaiblissements que nous avions intégrés au remaniement de crainte qu'il ne devienne trop puissant, compréhensible. Nous estimons que ces modifications de son arsenal base et de ses talents peu performants devraient le remettre au niveau des autres guerriers. Alors là, moi, ce qui me fait peur, ça me rappelle Zarya. Si vous avez connu le up Zarya, ça me fait peur. Parce que, en fait, très souvent, la plupart des gens gueulent quand un perso sort OP. Les gens disent, oui, c'est pour vendre des skins, blablabla, petit pognon, tout ça. Il faut savoir que Blizzard le dit lui-même, et pas que Blizzard, Riot, tout le monde, toutes les boîtes qui équilibrent, tous les devs qui équilibrent, te disent que c'est toujours plus simple de nerf un perso trop fort que up un perso trop faible. Et là, bah c'est un up absolument insane, hein, que ce soit sur la gravito, le skin, le perso de base ou en robot gobelin, parce que tu augmentes aussi les dégâts de compétences en robot gobelin. Il fait transpirer hein, le PPR, hein, il fait transpirer. Hein. Honnêtement. Ça va être intéressant de suivre. Hein. je pense même que limite il a été un peu trop up, mais c'est compréhensible. C'est bien, c'est compréhensible. Mais limite les valeurs ont été peut-être un peu trop hautes. Hein. Genre le E qui passe de 20% à 35%, tu mets à 25 ou à 30%. 20 à 35%, j'avoue, je ne comprends pas. Ça n'a pas été fait avec modération. Ça. Donc pareil, les dégâts bonus, tu montes à 50, enfin je sais pas, tu montes à 50 une première fois, c'est 45 à 60. What the fuck quoi, genre c'est. C'est énorme, c'est énorme. Imperius, ah, un nerf mérité pour Imperius, parce qu'il domine vraiment trop haut, hein, bien sûr. Niveau 7, pointe de colère, qui est le meilleur talent d'Imperius. Après, bien sûr, vous avez l'activable pour le wave clear, mais sinon, la pointe de colère, c'est indispensable. Capacité du bouclier réduite de 275 à 250, et les dégâts sont réduits de 165 à 150. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours l'excellent talent d'Imperius. Et ce qui est bien, c'est qu'il up également l'autre bon talent niveau 7 d'Imperius. Donc ne prenez pas le Z au niveau 7, c'est de la merde, c'est du troll. Je l'ai déjà dit dans le guide Imperius. Sainte Ferveur, temps de recharge réduit de 30 à 25 secondes. Ça vous permet de beaucoup plus utiliser pour l'optique solo lane Imperius Wave Clear. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Généralement, ce talent, je dirais que c'est plus en main tank. Ce talent-là, c'est plus en solo lane. Et même en solo, on voit de la pointe de colère, par exemple, si vous jouez sur Volskaya ou BE, le Wave Clear est un peu moins important. Mais voilà, c'est toujours intéressant. L'élan céleste, bonus à vitesse de déplacement. C'est un talent que j'aime beaucoup. Vitesse de déplacement réduit de 25 à 20%. C'était un petit peu. C'est compréhensible, hein. C'était une fusée après ton Q-spell, c'était logique. Solarion est toujours trop tranchante, émoussons-la encore un peu. Solarion, vous savez, c'est la lance. Irel, main de liberté, le temps de recharge qui est augmenté de 20 à 30 secondes, mesure de vitesse de placement réduit de 35 à 30%, donc on nerf un petit peu la main de liberté. Par le passé, nous avons maintes fois renforcé la main de liberté pour pousser les joueurs à utiliser ce talent, mais notre dernière amélioration, donc le fait qu'elle puisse l'utiliser sur elle-même, notre dernière version a été excessive au point que cette capacité domine son palier. Aussi, nous réduisons sa disponibilité. En vrai, ce qu'il devrait faire, c'est peut-être que tous les talents 4 d'Irel fonctionnent en version réduite sur elle, en fait. Ça pourrait être intéressant. Par exemple, le fait que le don des Naru, bah, la soigne en partie. En fait, la moitié du soin est donnée à Irel. En plus de le donner à... Ça serait intéressant, parce que le problème d'Irel, et c'est toujours très frustrant, c'est que c'est un solo laner, mais tous ses talents 4 ne fonctionnent pas sur elle. Et du coup, ils avaient amélioré la main de liberté, donc c'est le seul talent 4 qui marche sur elle. Donc peut-être faire en sorte d'avoir une version réduite des autres niveaux 4 sur elle. Ça serait vraiment cool. Soigneur, Alexstrasza, gros up du build Z d'Alexstrasza. Nombre de globes de régénération requis pour terminer la quête réduit de 15-25 à 10-20. Donc ça c'est une très bonne chose. Niveau 7 verdissement, le soin sur Alexstrasza est augmenté de 30% à 40%. C'est l'auto-sustain d'Alexstrasza en gros. Lieuse de vie. Donc la lieuse de vie donc, qui est quand même toujours moins forte que les frappes en l'air là de. J'ai oublié le nom. Flamme rédemptrice. Lieuse de vie, temps de recharge réduit de 60 à 50 secondes. Donc je trouve même que c'est un peu dangereux hein, quand même de faire ça. Parce que la lieuse de vie, c'est soit c'est de la merde, soit c'est trop fort. Hein. Et le problème, c'est que dans les optiques où c'est trop fort, bah, c'est très frustrant. Hein. 50 secondes de temps de recharge, imaginez. Coût en mana réduit aussi, donc on réduit le coût en mana. Force d'amour, bonus d'armure augmenté de 25 à 30 points. Ça c'est bien parce que c'est des talents un peu moins joués. La reine dragon est toujours récupérée, donc c'est bien qu'il le up. Bonus d'armure augmenté de 25 à 30 points. C'est 25 d'armure pour un talent 16, c'est vraiment faible. Hein. Surprotection, capacité de bouclier augmentée de 60% à 70% des points de vie rendus. Ça par contre, ça fait mal. Hein. Ça c'est très très fort. Hein. Pour le coup, ça c'est extrêmement fort.
Très sous-estimé le Z. J'aime moins le Q-Spell au 16, mais alors par contre le Z est très 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 fort. C'est juste que l'arène dragon est toujours très intéressante. Tu proc un gros CD, t'as envie d'une grosse utilité. Il y a longtemps que nous n'étions pas penchés sur les talents d'Extrada, donc voilà, voilà. Anna, grenade biotique, durée de la réduction des soins diminuée de 2 à 1.75, c'est très bien parce que souvent ce qui est critiqué à OLO, j'ai d'ailleurs mon dernier retour que j'ai envoyé à Blizzard, je leur ai dit bon, faudrait peut-être réduire le heal, et bah, visiblement ils veulent pas. Ils veulent toujours conserver le côté unique d'Anna avec la grenade à 100% d'anti-heal, mais du coup ils comprennent qu'il y a un problème, réduire la durée à 1.75, peut-être même qu'il faudrait la redescendre à 1.5, durée de la réduction de soins diminuée, donc ça incite les Anna à lancer leur grenade au bon moment. Quitte à avoir 100% d'anti-heal, je pense même qu'il faudrait réduire à 1.5 voire 1 seconde. Parce que c'est aux Anna de bien lancer leur Z, quoi. C'est pas ça dure 3 secondes, je l'ai lancé n'importe comment, c'est pas grave, ça marche. Cartouche léthargique. Ils ont énormément up le build E, ce qui fait qu'Anna à l'heure actuelle le build E est vraiment au-dessus. Réduction du temps de recharge de fléchette hypodermique diminuée de 4 à 2 secondes. Donc ça, la réduction du temps de recharge était beaucoup trop haute, donc là on réduit un petit peu. Niveau 7, inhibiteur de soins, ça n'empêche que le talent est toujours viable, hein, bien entendu. Inhibiteur de soins augmente désormais la durée de la réduction des soins de 0.75 au lieu de 25%. Donc c'est pas dégueulasse quand même. Après, ce talent est bizarre de nature, hein. C'est pas terrible, enfin je trouve pas ça ouf, mais bon, ça permet en fait de revenir un peu aux anciennes valeurs de la grenade biotique, puisqu'avant elle durait aussi plus longtemps. Terrain nocturne, dégâts infligés réduits de 10 à 8% des points du maximum, Blizzard l'avait énormément up pour faire en sorte que ce talent soit viable, et il a fallu monter à 10% des PV max, ce qui est énorme, hein, 10% des PV max. Je rappelle qu'en plus si vous touchez, ça augmente la move speed d'Anna, si je dis pas de bêtises, si je ne confonds pas, donc c'est excellemment fort, et 8% des points du maximum c'est toujours très intéressant, mais 10% c'était insane. Donc voilà, Anna fait actuellement partie des soigneurs les plus populaires, mais ses talents au début de partie manquent de diversité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces changements. Anduin, qui a un up un peu gratuit, mais apparemment dans les winrates, il est un petit peu en dessous des autres supports. Anduin, c'est moi j'adore Anduin, donc je suis très content de voir ces changements. Salve de guérison, les soins augmentés de 260 à 270 points. Bon, bah, c'est des valeurs super. Hein. Châtier, les dégâts augmentés de 155 à 175 points. Bah, très bien, écoutez. Saut de foi, le temps de recharge. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est trop fort. Ça, je trouve que c'est trop fort. Ça, je comprends. Ok. Ça, pour moi, c'est trop fort. C'est extrêmement frustrant parfois quand tu joues tank de jouer contre Anduin. Surtout à l'heure actuelle où il y a aussi les médaillons et tout. Le dé à 70 secondes CD. Eh, faut pas oublier que c'est pas juste une purif. Hein. C'est un replacement. Hein. Donc 80 secondes de temps de recharge, je trouvais ça bien. Hein. Je trouvais ça honnête. 70 secondes, c'est vraiment faible. Hein. C'est vraiment faible. Je pense pas que ce soit bien, ça, par contre. Niveau 10, le mot sacré salut, les soins augmentés de 25 à 30% maximum point de vie. Je pense que c'est parce que la bombe de lumière permet tellement de choses qu'on joue un petit peu moins cette ult. Mais cette ult, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Donc un petit up de 5 points de pourcentage, c'est bien, c'est très très bien. Donc niveau 10 qui a été up, les deux ultimes sont très bien sur Anduin de toute façon. C'est juste que quand vous jouez Anduin et que vous voulez avoir plus d'impact dans la game, c'est vrai que la bombe de lumière sur vous-même, vous mettez un go, bam, stun, c'est vrai que ça marche très bien. Uther, les flammes sacrées. Affiche désormais un effet coup critique, donc ça c'est ce que je disais au-dessus, c'est toujours bien l'indicateur, donc très bien. Niveau 7, le gardien des anciens rois, fonctionnement modifié, donc vous savez, c'est soit vous choisissez Purif, soit vous choisissez, s'il y a beaucoup de stun et tout, le mec il va prendre énormément d'armure et du coup moins tomber, moins de chances qu'il tombe. Soigner un héros étourdi, immobilisé ou réduit au silence, lui confère 50 points d'armure pendant 3 secondes. Donc c'est plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça augmente la, enfin pendant les 3 secondes, donc c'est très bien. Nous conférons au gardien des anciens rois une amélioration fort nécessaire. Cet effet nous servira de levier pour équilibrer le talent à l'avenir, en désolidarisant la durée de son bonus d'armure de dévotion. Eh oui, parce que le problème c'était le 20 qui pouvait faire proc avec le gardien des anciens rois et être beaucoup trop god en late game, puisque le truc durait plus longtemps. Donc, faire en sorte de le rendre indépendant par rapport au passif du terre, c'est très bien. Kerrigan, assassin mêlé, beaucoup de choses sur Kerrigan. Impact drainant, donc c'est les talents un peu moins joués hein, qui sont up par Kerrigan. Donc le A qui voit les capacités de bouclier augmenter de 90 à 100 points, c'est pas dégueu. Et la reine de l'assimilation, personnellement, un talent que j'aime beaucoup, même si c'est vrai que l'auto-attaque est très forte. Plutôt que de nerf l'auto-attaque, ils ont up les deux autres et c'est très bien. Bouclier obtenu augmenté de 45 à 50 points par le tick, par chaque tick, en prenant un globe, eh bien vous avez le bouclier. Peut-être ce qu'il devrait faire, c'est augmenter la durée. Par exemple, le globe dure une seconde supplémentaire, un truc comme ça, ça pourrait être pas mal. Niveau 4, l'impulsion psy, durée avant la seconde explosion réduite de 2.5 à 2 secondes. Personnellement, je trouve que c'est quand même le plus faible, mais c'est bien que ça pète un peu plus vite. Reine des lames, nouveau fonctionnement réduit le temps de recharge de ravage, et je pense même qu'il devrait encore réduire à 1.5 ou voire 1 seconde. Parce que là, la double explosion, c'est vraiment lent quand même, très très lent. Nouveau fonctionnement, réduit le temps de recharge de ravage de 2 secondes et augmente de 50% ses dégâts contre les serviteurs et mercenaires. Ça, c'est une bonne idée, parce que plutôt que de faire en sorte que les deux autres talents, donc l'élan des lames et la fureur sans bande, sont vraiment très très fortes,
au lieu de réduire ses talents-là, il préfère repenser l'autre en mode, tu veux du Wildfire à Kerrigan, et bien ce set-là est très fort. Donc c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne idée. À voir, est-ce que ça suffira, je ne sais pas. Mais bah, sur du Spider Queen, par exemple, ça peut être excellent. Niveau 10, le Maelstrom, qui voit son coût en mana réduit. C'est vrai que la consommation de mana de Kerrigan est assez violente. Donc coût en mana réduit de 100 à 80, et la portée augmentée de 4 à 4,5 au niveau des dégâts, bah, c'est vraiment un très bon up sur le Maelstrom. Et l'Ultralisk, on n'augmente pas les dégâts, parce que c'est le stun, le changement sur l'Ultralisk a été excellent, hein. Je suis le premier à l'avoir salué. Mais on réduit le coût en mana aussi de 100 à 75 points. Les coûts en mana des ultimes sont violents, donc on les réduit. Et un up sur le vin de la Torasque, donc l'Ultralisk amélioré, qui honnêtement moi je le trouve très fun, surtout avec en combo avec le 16 sur les dégâts d'ultime. En gros, si votre ultime fait des dégâts, eh bien vous augmentez je sais plus combien de 30 ou 35% votre puissance de capacité, augmente les points de vie, les dégâts de l'ultralisk de 20%. Et bah je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort personnellement. Je pense toujours que le blink est le talent numéro 1 de Kerrigan, mais la Torasque, c'est assez violent, hein. C'est vraiment violent, ça peut être très cancer, je pense. Le fait de lui avoir augmenté ses PV, ses dégâts, c'est... Je rappelle que les dégâts de l'Ultralisk fonctionnent sur la génération de bouclier de Kerrigan. Hein. Sachant qu'avec le 16, vous augmentez votre puissance de capacité, vous augmentez déjà les dégâts de l'Ultralisk. Donc, augmenter encore plus, donc ça fait un truc genre vous augmentez quasiment de 50% les dégâts de l'Ultralisk. C'est assez violent, je trouve. Donc voilà, c'est plutôt des talents un peu moins joués, c'est ce qu'expliquent les développeurs. Samuro, nerf sur des persos un peu cancer, j'ai envie de dire. La marge du vent, le bonus de vitesse de déplacement qui est réduit de 25 à 20% pour punir un peu plus facilement les samouraux. Niveau 7, la frappe écrasante, bonus de dégâts réduit de 15 à 10% par cumul. Donc c'est un talent qui était en train de monter. Est-ce que je confonds avec le truc sur le nombre d'illusions? Est-ce que c'est celui-là? Je sais plus. Je confonds les deux talents. De toute façon, moi je joue Burning Blade. Après, il y a le talent sur les illusions qui est pas dégueu. Je sais plus si c'est celui-là. Il me semble pas. Je crois que c'est un truc avec fantôme, douleur fantôme ou je sais plus quoi. Bon, donc apparemment ce talent est. Bon, il énerve probablement avec les stats, hein, ils ont les infos. Je sais pas trop quoi dire là-dessus, donc je vais passer. Niveau 20, Danse de la Mort, le tourbillon de l'âme, les images qui sont augmentées, donc les dégâts des images mortes sont augmentés. Honnêtement, si vous jouez ça sur Samuro, je suis désolé de vous le dire, mais. C'est pas le but quoi. Enfin, genre, balancer ces images miroirs pour pouvoir balancer un tourbillon qui potentiellement touche. Moi, je trouve la mécanique de base, le principe de base de ce vin est débile. Genre, c'est complètement con. C'est soit c'est. Enfin, c'est très cancer comme truc. C'est soit ça marche très bien, soit c'est de la merde. Très souvent, c'est de la merde. Donc, augmenter les dégâts, c'est assez cancer parce que ça veut dire que vous pouvez pas lui fuir. Vous pouvez pas le fuir. Genre, c'est pas intéressant pour le joueur de Samuro comme pour l'adversaire quoi. Voix des trois lames. Le bonus au point de vie des images miroirs réduit de 50 à 25%. Ça, c'est énorme hein, quand même. C'est un énorme nerf. Mais après c'est vrai que c'était le talent 20 le plus joué sur Samuro. Personnellement ce que je peux vous conseiller c'est peut-être de réduire le temps de recharge du E à 6 secondes. Moi personnellement un talent que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la voix des trois lames est quasi indispensable. Mais moi personnellement j'aime beaucoup le E au 20 qui est vraiment vraiment fort. Donc peut-être que ça permettra de varier un petit peu les choix de niveau 20. Samuro est un héros complexe et potentiellement très puissant pour qui prend la peine d'apprendre à le maîtriser. Malgré son statut de héros de niche, nous le trouvons en l'état légèrement trop puissant et frustrant pour ses adversaires. Ouais, nous affaiblissons quelques talents. Samuro a des winrates assez hauts, hein, mine de rien, et donc c'est bien qu'il le nerf. Assassin à distance, ah voilà, on en parle, c'est le nerf de Gaal qu'on attendait parce que c'est complètement débile, le talent, enfin le build. Enfin en vrai Cho'Gall, ça me fait bizarre de dire ça, mais Cho'Gall ça a toujours été un perso, soit il se fait défoncer, soit il défonce l'adversaire. Donc c'est très frustrant à jouer contre et avec. Et en plus, bah, comme il prend deux lane, enfin il prend deux personnes sur une même lane, ça veut dire qu'il faut prendre une compo un peu macro à côté de Cho'Gall parce que sinon bah, tu es en retard tout le temps. Donc très frustrant à jouer avec et contre Cho'Gall. En fait, il n'y a que le joueur de Cho'Gall qui s'amuse, quoi. Les deux joueurs de Cho'Gall qui s'amusent et basta. Le truc sur le Z, c'est qu'en fait, bah, c'est un build de merde. Hein. C'est la mécanique de base du spell qui est nul à chier. Donc ils ont augmenté beaucoup trop au dernier patch Cho'Gall, enfin Gaal notamment. Donc il le nerf, bonus aux dégâts réduit de 25 à 15% par rebond. Nova du Crépuscule ne réduit plus de façon passive le temps de recharge d'Orbe Funeste. Et la durée de ralentissement qui est réduite sur le Z de 1 à 0,75. C'est une très bonne chose. Parce que c'est vraiment un build de retard. Honnêtement le build Z de Gaal, ça n'indique absolument... Enfin là il y a eu vraiment de l'abus des joueurs qui ont abusé du winrate du truc parce qu'ils l'avaient up n'importe comment. Ils l'ont nerf et c'est une très bonne chose parce que c'est complètement débile quoi. Si vous, enfin, un joueur de Cho'Gall qui se respecte, il joue pas ça quoi. Jaina,
Alors là, honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais Intelligence des Arcanes, personnellement, un talent que je conseille. Pour moi, Intelligence des Arcanes, c'est même le meilleur talent sur Battlefield of Eternity. Parce que c'est dur d'aller ramasser les globes, et si vous tapez l'immortel, bah, vous gardez, vous avez jamais de problème de mana. Donc c'est le talent de BOE. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le globe est plutôt privilégié avec globe, Q-spell, Q-spell. Mais là, Intelligence des Arcanes qui augmente la puissance de capacité de 10% tant que vous disposez de plus de 75% de votre mana, c'est assez violent. Et on pourrait même voir un nouveau build qui apparaît sur Jaina à base de globe au 1, Intelligence des Arcanes au 4. Comme ça, vous montez à 20% de puissance de capacité augmentée. Et en plus, avec les globes, bah, vous restez encore plus facilement au-dessus des 75% de mana, donc vous avez encore plus souvent la faculté d'avoir la puissance de capacité de 10%. Donc, on verra peut-être un build à base de globe plus Intelligence des Arcanes. Et là, bah, j'aurai jamais de problème de mana, hein, pour le perso. Armure de givre, armure physique augmentée de 50 à 75 points. Honnêtement, c'est bien. C'est un talent qui le... Enfin, un talent qui méritait un petit up. 75, c'est peut-être même un peu haut, mais c'est très bien. À ce niveau-là, très fort contre le dive. Niveau 7, même si c'est un petit peu plus situationnel. Niveau 7, la baguette de furie de glace. Le passif réduction du temps en charge augmenté de 2 à 2,5. J'ai envoyé un retour assez complet sur Jaina, donc je suis un peu triste qu'il ne l'ait pas pris en compte. C'est pas en réduisant le temps de recharge du Blizzard que ça va rendre le store intéressant. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Hein. C'est le build Blizzard sur Jaina, je suis désolé si vous faites ça, mais c'est de la merde. Hein. C'est... Vous basez sur un des sorts les plus vieillots du jeu qui est inintéressant à jouer et autres, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Sachant qu'en plus ça ne fonctionne que en PVP et pas en PVE, c'est vraiment de la merde. Parce que si ça marchait en PVE, ça permettrait de wave clear plus souvent. Mais ça marche même pas comme ça. Donc, personnellement, la baguette furie de glace, quand ils ont créé ce talent, j'étais super hypé. Ils ont changé le fonctionnement dès le départ, ça n'est jamais sorti du PTR, j'ai trouvé ça nul. Donc, j'aime pas du tout ce talent, je le déconseille fort. Malheureusement, le Q-spell est trop fort au set, hein, trop fort. Et il suffit de pas grand chose. Hein. Faire en sorte qu'en PVP ça fonctionne, ça fasse proquer le shield, etc. Il y a moyen de faire des trucs géniaux. Hein. Que ça fonctionne avec le passif et tout, il y a moyen de faire des trucs géniaux avec ce talent. Mais bon, ils veulent pas. Pour le moment, ils veulent pas. Mephisto, talent 4, montant des soins augmenté de 60 à 70% des dégâts infligés aux héros ennemis. C'est bien parce qu'il le mérite. Le Q-spell 4, il est vraiment faible. L'héros ennemi touché par le crâne rend 10 points de mana. C'est bien. Honnêtement, c'est un bon changement. Ça ne suffira pas pour moi, mais c'est un bon changement. Niveau 16, l'animosité, les dégâts maximum de Nova's Foot augmenté de 36 à 42%. C'est bien parce que personnellement, je préfère le pourcentage PV. Je joue de plus en plus Mephisto en ce moment et, pour rigoler. Et j'avoue que le Z. Hein, c'est quand même très intéressant de l'augmenter parce qu'il avait pris un gros nerf sur son changement de fonctionnement, donc c'est bien qu'il l'up. L'horreur indicible, donc le silence, vous savez, sur la cage, l'espèce de cage de Mephisto, le root tout simplement, les ennemis immobilisés sont également réduits au silence. Donc le 20 est un peu bizarre parce qu'en fait les mecs étaient root et une fois le root terminé, c'était silence. Le fonctionnement était aberrant en fait. Et c'est bien qu'il l'ait changé, je trouve ça très bien. Temps de recharge réduit de 40 à 20 sur le transfert d'ombre, donc c'est le. En gros, le blink de Mephisto, donc c'est un talent. Que je conseillais même pour ceux qui ont du mal à se positionner avec Mephisto, c'est vrai que c'est un bon 20. Mais 40 secondes de temps de recharge, c'était très haut. Maintenant, 20 secondes, bah, ça fait vraiment un 20 complètement concurrentiel et compétitif pour les autres talents. Sylvanas, niveau 7, lame perdue, fonctionnalité supplémentaire, augmente les dégâts de la dague d'ombre de 10%. Pourquoi pas, je trouve vraiment le talent sur la dague 7 faible, donc c'est bien qu'il fasse un petit truc comme ça. Purulence, bonus aux dégâts de la vague de hantise réduit de 25 à 15%. Alors ça n'augmente pas, ça fait. Ce talent reste toujours meilleur parce que bah, il fait proc les 3 marques, donc il augmente tous vos dégâts. Par contre, on réduit les dégâts du E, c'est pas grave, le E sert pas vraiment à faire des dégâts de toute façon. Enfin, si, mais pas sur le E en fait. Le E, c'est pas spécialement. Il est pas spécialement là pour faire des dégâts. Au contraire, c'est de la consommation de mana en early. Tant que vous êtes pas 7, ça sert à rien de E-in un mec, sauf si vraiment vous avez besoin des dégâts supplémentaires. Donc, c'est pas pour ça qu'on joue ce talent, donc c'est pas un nerf très impactant. Niveau 10, alors ça c'est un retour que j'ai fait à Blizzard et qui a été entendu, le contrôle mental, fonctionnalité supplémentaire, applique 3 cumuls de malédiction de la Banshee aux héros ennemis touchés. Alors je pense qu'ils ont eu peur parce que moi j'avais proposé une vulnérabilité pour toute l'équipe, genre 10% de dégâts supplémentaires ou 15%. Ce qu'ils ont fait c'est plutôt que ça applique directement, donc par rapport à Sylvanas, ça applique ces 3 cumuls de malédiction, donc en gros vous n'avez pas besoin de in avec le 7, vous faites le contrôle mental et vous pouvez directement lui exploser la tête au mec que vous avez touché. C'est un très bon changement sur le main control, très très bon changement, la flèche reste meilleure. Mais c'est un excellent changement qui a été appliqué au main control. Tassadar, on réduit le meilleur talent 4 de Tassadar, mais en même temps c'est le meilleur, hein, y a pas de concurrence pour moi au niveau 4. Capacité maximum du bouclier réduit de 15 à 12% du maximum de points de vie, oui, mais il faut créer une alternative parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre choix. Trou noir, ça c'est très bien, le temps de recharge qui réduit 70 à 60 secondes, honnêtement il le mérite le petit trou noir. Le Black Olu,
Et c'est bien, parce que le Black Hulu, c'est pas facile à jouer. Et 60 secondes, ça me paraît tout à fait pertinent, voire peut-être même un petit peu en dessous, on verra. Mais c'est très bien. Niveau 20, Kugelblitz, donc l'amélioration du trou noir. Très bon changement aussi, qui réduit l'armure des héros adverses touchés par le centre de 20 points pendant 3 secondes. Donc ça augmente la puissance de capacité, enfin ça augmente vos dégâts, ainsi que ceux de vos ennemis, enfin ceux de vos alliés, pardon, sur votre ennemi. Donc c'est excellent. Très bon changement sur Tassadar pour les trous noirs. Tracer, dégâts des attaques de base réduits de 24 à 23. Petit nerf pour Tracer. Le tir vampirique, fonctionnement modifié. Alors ça c'est un truc que je dis depuis la sortie, et c'est bien. De base, ça augmente de 5% vos heals. De base. Je suis assez content, je l'ai dit dans le guide Tracer. Donc c'est bien, de base, 5% de heal supplémentaire. Ce bonus augmente de 5% supplémentaire pour chaque charge de transfert en votre possession. Donc en gros, 5% de base, si vous avez plus qu'un blink, 10%. Si vous avez 2 blinks, 15%. Si vous avez 3 blinks, 20%. C'est très bien Blizzard ça, c'est très très bien. Le truc, c'est que pour moi, la bombe reste toujours meilleure en top 4, mais tir vampirique devient véritablement un talent prenable. Un kit de soins, c'est toujours pas terrible. Lorsque vous récoltez un globe de régène, le temps de recharge des fontaines de soins est désormais réduit de 15 secondes au lieu de 10. C'est pas terrible quand même. Choisissez soit la bombe, soit tir vampirique. Transfert défensif, réduction du temps de recharge porté de 0,25 à 0,3125 secondes. Le EO13 me semble toujours un peu faible par rapport aux deux autres talents. Il y a le shield sur les dashs et les dégâts. Donc honnêtement, je pense que c'est toujours trop faible. Donc voilà, à l'instar de Samuro, Tracer n'est pas loin d'être surpuissante malgré son rôle de niche. Nous réduisons légèrement sa puissance globale en diminuant les dégâts de ses attaques de base et en forçant quelques talents peu utilisés. C'est une très bonne chose. Ticus, c'est ce qui justifie la musique StarCraft depuis le début de la vidéo. Ticus, niveau 1, lanceur, déplacé depuis le niveau 7. Donc c'est pas la Disco Ball, c'est tout simplement le Z qui pousse les ennemis plus loin. Défonce Alphonse, augmente la portée des attaques de base de 1. Donc c'est plutôt pas mal, honnêtement, c'est plutôt même vraiment, vraiment pas mal, pour le coup. Bon alors j'étais pas sûr, j'ai vérifié, en fait il y a une erreur sur la patch note, c'est bien le Disco Ball, donc la portée qui a été déplacée depuis le niveau 7 jusqu'au niveau 1. Donc en soi, c'était un excellent talent, niveau 1, on va pas se mentir, le mettre au niveau 1 c'est excellent, mais c'était pour concurrencer justement la vitesse de déplacement, donc le talent jaune de Ticus. Donc bah c'est dur, hein, c'est dur parce qu'avant on pouvait jouer les deux, donc c'est un peu dur. Mais pourquoi pas. Défonce Alphonse, son nouveau fonctionnement augmente la portée d'attaque de base de 1. Alors ça c'est vraiment fort parce qu'en fait le E devient passif. C'est à dire que vous avez maintenant la portée sur la grenade. Je pense que du coup avec tous ces changements là, c'est quasiment un mini rework hein, que vient de subir Ticus en deux patchs. Donc je pense que je referai une vidéo de guide sur Ticus parce que ça a changé énormément de choses. Mais augmente la portée des attaques de base de 1, bah, en fait ça veut dire que vous avez la portée du Z, vous avez la vitesse de déplacement plus la distance que le E atteint, et de passivement augmente la portée des attaques de base de Ticus. Honnêtement, les trois talents sont monstrueux, hein, vraiment très très bien. Peut-être même que la grenade mérite un up. Je suis même en train de me dire, peut-être que le talent 7 mérite un up. Niveau 4, plus ils sont gros, il ne réduit plus le temps de recharge de minigun. Honnêtement, c'est une bonne idée parce que c'était déjà très fort. Le plus ils sont gros était vraiment le meilleur talent 4 sur Ticus. Seuil de points de vie pour infliger des dégâts supplémentaires réduit de 35 à 30%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, le plus ils sont gros, ça a toujours été très très fort en compétitif, mais pas qu'en compétitif. En gros, par exemple, imaginez un Garrosh, ça marche très bien un Garrosh, un Ticus, qui vous amène la bouffe à domicile. C'est le livreur Uber Eats, Garrosh. Et vous balance le mec derrière, et vous là, donc un tank généralement même, vous appuyez sur D, et là, bam, 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 vous faites des dégâts supplémentaires sur les héros disposant de plus de 35% de leur PV. Donc en gros, vous avez des dégâts déjà de base minigun en pourcentage PV qui sont colossaux, mais en plus de ça vous avez un bonus de dégâts. Donc ça c'est énorme. Sachant que je crois que c'est 4% du point de vue maximum. Ouais, c'est ça, c'est 4% du point de vue maximum. Donc c'est énorme. Et en fait, avant, quand le mec atteignait 35% des PV max, de ses PV max, eh bien le talent s'arrêtait, ne fonctionnait plus. Donc en gros sur des mecs low life, le talent ne fonctionnait pas. Eh bien ils réduisent le plafond. C'est-à-dire que maintenant, le talent ça arrête de fonctionner à 35% des PV max. C'est 30%. Quand il ne reste que 30% des PV d'un mec, ça fonctionne encore. Jusqu'à 30%. Ensuite, ça ne marche plus. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ça vous permet d'assassiner un mec beaucoup plus vite. C'est le fléau des tanks. Hein. Le plus ils sont gros, c'est le fléau des tanks. Et ça marche contre tout le monde, hein, je le rappelle. Mais surtout sur les tanks. Maître assassin, très bon fonctionnement. Parce qu'avant, c'était une quête. Et du coup, t'avais aucun bonus. Blizzard, maintenant, fait un truc comme ça. C'est que, oui, vous avez un système qui fait que... Alors, je pense que même ce qu'il devrait faire avec les nouveaux changements... Parce que bon, je vais finir mon explication. En gros, les talents à Marksman, enfin les talents à Stacking, façon Tracer niveau 13 et tout, en gros, quand vous tuez des mecs, vous gagnez de la puissance. Si vous mourrez, vous perdez tout. Ce qui est intéressant avec le Maître Assassin de Ticus,
c'est que, enfin, avec toutes ces quêtes-là maintenant, c'est que même de base, ils te donnent quand même un petit bonus. Comme ça, même si tu perds tout, t'as quand même un petit bonus. Mais l'idée, c'est d'avoir ce petit bonus plus cumulé avec le bonus sans mourir. Le problème du maître assassin, je dirais, de certaines quêtes comme ça, c'est que Tychus ne les perd pas. Contrairement à Tracer, Tychus ne perd pas ses bonus s'il meurt. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, augmente la vitesse d'attaque de 10% de base, donc sur un petit bonus. Après avoir éliminé 15 héros, augmente la vitesse d'attaque de 15% supplémentaire. Donc vous pouvez monter à 25% de dégâts supplémentaires. Ça marche très bien en solo queue. En compétitif, pour moi, le talent n'était pas viable à cause de son ancien fonctionnement. Avec le nouveau fonctionnement, de base, ça augmente la vitesse d'attaque de 10%. Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Sachant que ça fait proc, du coup, plus facilement les dégâts du minigun aussi. Donc, le maître assassin, et il fonctionne en Odin. Ça, c'est un truc qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que le maître assassin est le seul talent qui fonctionne sur le Odin au niveau 4. Donc, en soi, bah, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est un très bon changement, je trouve. C'est quelque chose sur lequel ils doivent penser, enfin, ils réfléchissent sur ce talent depuis très longtemps, et bah, c'est très bien. Grenade à surpression, c'est le truc, c'était une grenade qui était vraiment pas terrible. Je voyais beaucoup de Tychus jouer ça, et j'étais en mode... À part contre Medivh, ce talent était nul, hein. Genre parce que ça permettait d'éloigner le mec du portail, mais sinon ce talent était nul, la Disco Ball était trop forte, c'était soit Disco Ball, soit l'armure, donc il est supprimé, c'est compréhensible, c'est de la merde. Fin tacticien, déplacé depuis le niveau 1, vous savez c'est le talent bleu sur le... Nouveau fonctionnement, réduit le temps de recharge du minigun de 4 secondes, donc si vous faites un E, ça réduit de 4 secondes le temps de recharge du minigun. Réduit le temps de recharge du minigun de 4 secondes supplémentaires après l'utilisation de fonce et défonce. Donc de base, ça réduit le temps de recharge de 4 secondes de base sur le E. Du minigun, pardon, de base. Et en plus de ça, si vous utilisez un E, ça réduit de 4 secondes. Et ça, j'aime bien parce que c'est un retour que j'ai fait à Blizzard en disant mais ce talent, bah, je préférais l'ancien fonctionnement où ça vous permet d'avoir plus de E parce que c'est un peu de la merde en fait. T'es obligé de E pour avoir ton minigun. Donc maintenant, t'es même pas obligé de E pour avoir ton minigun. Ça me permet d'éviter que les Tychus fassent des E-in n'importe comment. T'as quand même un bonus. Donc par contre, c'est un palier 7, donc un peu plus survie. Enfin, survie, non, un peu plus dégâts. Mais au final, vous avez un choix au 7 entre. La grenade, vous allez voir, la nouvelle grenade, fusion thermique, grenade à fragmentation, inflige aux cibles touchées 75 points de dégâts supplémentaires en 3 secondes. Ces dégâts sont augmentés de 100% pour des serviteurs, mercenaires et monstres. On offre plus de wave clear à Tychus. C'est bien ça, c'est très très bien. Donc vous avez un talent wave clear, PVE, un talent plus de burst, plus de minigun, et un talent défensif à base de armure quand on prend des contrôles. Honnêtement, c'est excellent. Parce que souvent ils aiment bien faire palier défensif, palier offensif, etc. C'est plus simple à équilibrer. Mais avoir plus de polyvalence à chaque palier, ça vous permet de vous adapter comme jamais en game en fait. Là vous avez vraiment besoin de dégâts, ok on prend ça. Là vous avez besoin plutôt de défensif, ok on prend ça. C'est vraiment assez intéressant je trouve de revenir à ce niveau là sur du old school. Maintenant que Blizzard équilibre bien mieux les choses, de revenir à du old school où vraiment on offre plein de diversité. Parfois c'est une critique par exemple que des joueurs de LoL ou Dota font en mode bah ouais mais là j'ai besoin de plus de dégâts, c'est qu'un palier défensif, ça fait chier. Et c'est vrai que c'est une critique qui revient rarement sur des joueurs de LoL et enfin. Souvent les joueurs de LoL et Dota pensent même pas à ça, mais là pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie critique, et pour Tychus, bah du coup c'est bien. Niveau 20, je peux faire ça toute la journée, le A, réduction du temps de recharge augmenté de 4 à 5. Moi j'aime pas du tout les talents sur le A, je pense même que c'est très cancer sur Tychus, donc je suis vraiment pas fan de ça. Jeu de jambes, le E n'augmente plus de façon passive la portée d'attaque de base de 1.5. Ok. Alors jeu de jambes c'est vous savez la 3 charges de E en fait. Moi c'est un talent que j'adore, que je trouve excellent. Faut que c'était supplémentaire, après avoir utilisé fonce et défonce, la portée des attaques de base augmente de 1.5. Donc en gros, c'est l'ancien défonce Alphonse, intégré au triple E niveau 20. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Deux charges supplémentaires, ça vous fait 3 charges de E, sachant que ça marche sur le Odin, ça marche sur le Tychus. Personnellement, moi c'est mon talent préféré, hein. C'est mon talent préféré sur Tychus. Ça vous permet d'avoir 3 charges de E, plus il y a de charges, plus rappelez-vous que ça vous permet d'offrir potentiellement une quatrième charge de E si vous balancez pas tout en même temps. Parce que bah, le temps de recharge commence dès le lancement du premier E, donc c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, maintenant vous avez un bonus de portée d'auto-attaque, donc c'est un très bon point. J'aime beaucoup l'espèce de mini reward qu'ils viennent de faire sur Tychus. Et ensuite des corrections de bugs, bon c'est pas très grave, mais globalement, eh bien qu'est-ce que je pense du patch? Je pense qu'il est très bon. On nerf ce qui doit être nerf, Cho'Gall, D.Va, Imperius. On up des choses un peu moins jouées. Il y a quelques petites erreurs, je pense vraiment à Deathwing qui prend encore un coup dans la tronche pour rien. Mais en dehors de ça, bah faut le dire, c'est un très bon patch. C'est un excellent patch même. Hâte de voir la suite. Pas de changement sur les médaillons. Ça c'est étonnant, mais peut-être qu'ils veulent attendre encore d'avoir plus de données avant de bouger, ce qui est compréhensible. Mais bah, franchement, un très bon patch. Je suis plutôt content, plutôt satisfait. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur les changements. Est-ce que vous attendiez d'autres persos? Est-ce qu'il y a des trucs que vous vouliez voir en plus? En tout cas, plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans Lexus. Et n'oubliez pas le Facebook, Twitter, like, tout ça. Je sais que la vidéo est longue, mais il y a beaucoup de changements. Voilà, bisous. C'était pas, voilà, faire un petit like, toujours apprécier, petit commentaire, petit partage. N'hésitez pas à
suivre la page Facebook, follow Twitter, faites un tour sur le site, hein, bien sûr, la boutique, le Discord, tout ça, tout ça. Ah, plein de bisous. Le t-shirt que j'avais, vous pouvez l'avoir. Bisous.